Bonjour à tous, bienvenue à nouveau dans ce stream live. Donc, encore une fois, on est très heureux de vous accueillir. On sait que ce n'est pas la première fois. Comme on vous l'a expliqué, on va le refaire régulièrement sur des thématiques précises de façon à pouvoir canaliser peut-être un peu les questions et ne pas déborder sur multiples sujets qui pourraient nous emmener très loin dans la présentation. Donc aujourd'hui, on a fait le choix de vous parler de l'OM1. L'OM1 à nouveau qui rencontre un grand succès. Et comme parmi les nouveautés sur ce produit, on a un nouveau menu. Donc l'idée, c'est un peu de vous présenter ce nouveau menu avec les possibilités qu'il nous offre et surtout savoir un petit peu naviguer en fonction de la logique qui a été vue lors de la création de ce menu. On va détailler un petit peu également ce qu'on appelle le Super Control Panel. Donc c'est l'écran. On va dire rapide, qui se trouve en accès rapide pour pouvoir changer déjà beaucoup de choses au niveau du menu. Et après, on rentrera un peu plus dans les détails du menu. On ne rentrera pas dans des spécifications précises de fonctions, puisque vous avez dû le voir également, on organise un peu des sessions privatives, un peu privilèges, je devrais plutôt dire que privatives, qui vont vous permettre via Zoom. Sur des personnes qui se seront inscrites via notre site, de pouvoir un échange, d'avoir un échange peut-être un peu plus direct sur des fonctions précises. Donc, on en a un demain où on rentrera peut-être un peu plus dans le menu et on en aura un autre à la fin du mois également où je vous parlerai du mode haute résolution en 50 millions de pixels de façon un peu plus précise et comment marche cette fonction. Et dans quelle thématique photo peut être très intéressante à utiliser. Voilà. Donc, c'est un petit peu pour vous présenter la façon dont nous allons travailler aujourd'hui. Donc, je salue tout le monde. Je vois qu'il y a déjà pas mal de personnes hein, qui viennent de nous rejoindre. Donc, bonjour Yves, bonjour Pascal, bonjour Emmanuel. Donc, bienvenue à vous. Donc, on va commencer cette présentation, comme je vous le disais, qui va vraiment être orientée menu OM1. Donc, comme d'habitude, hein, vous le savez, vous pouvez poser des questions. Salut François, merci d'être parmi nous. Donc, François, que vous voyez, qui vient de venir nous rejoindre, est un de nos ambassadeurs. Donc, je fais une petite parenthèse d'ailleurs, je vois pendant qu'il est là. On va être présent au Festival de l'Oiseau qui va se dérouler mi-avril. Et on va organiser un workshop avec François pour les gens qui souhaitent s'inscrire. Vous pouvez aller sur le site du Festival de l'Oiseau. Et François sera le photographe qui organisera ce workshop. Et on aura également la possibilité, bien sûr, de faire tester l'OM1 pendant ce workshop. Donc, les gens qui peuvent être intéressés, vous pouvez vous inscrire via le lien du site du Festival de l'Oiseau. Voilà, c'était une petite parenthèse, le fait de voir François. Donc, je vais commencer la présentation avec le menu de cet appareil, donc de l'OM1. Donc, bonjour encore une fois à ceux qui viennent de nous rejoindre. Hein. Je me répète très rapidement, la thématique de ce soir, c'est le menu de l'appareil et on va essayer de se concentrer sur le menu de l'appareil. Et si vous avez des questions, comme d'habitude, liées au menu de l'appareil, vous pouvez les poser et si on peut les intégrer dans ce live, on les intégrera avec grand plaisir. Donc du coup, l'OM1 au niveau de l'exploitation du menu. Donc, la première chose à savoir et que beaucoup de gens négligent lorsqu'on rentre dans les réglages de notre appareil, c'est la possibilité d'intervenir très rapidement via le Super Control Panel que l'on voit ici à l'arrière au niveau des réglages de prise de vue. Donc là, je vous ai détaillé trois modes qui peuvent être disponibles en fonction de l'usage. Donc, en fonction de cet usage, vous allez avoir la première image qui se trouve à gauche, le visuel qui va venir être en superposition de ce que vous allez voir devant vous. Donc, c'est-à-dire que vous utilisez l'écran à ce moment-là pour viser. Vous n'utilisez pas forcément le viseur. Donc, ça, c'est la première possibilité. Si vous avez envie de changer de possibilité, c'est-à-dire d'utiliser que le viseur pour cadrer et réaliser votre composition d'image, vous pouvez appuyer sur le petit bouton que je vous ai entouré ici en rouge, voilà, à cet endroit-là, vous allez donc basculer de la possibilité de shooter via l'écran ou
via le viseur de façon traditionnelle. Donc dans ces cas-là, on voit que l'affichage à l'arrière de l'écran change, puisque vous n'êtes plus avec une superposition, hein. Vous allez avoir uniquement tout ce qui est lié au réglage et vous n'aurez pas de visuel image. Et pour ceux qui font de la vidéo, bah forcément, la vidéo, hein, on a tendance à viser avec l'écran. Donc là, vous serez en mode superposition lié à votre cadrage et vous voyez que l'affichage est différent puisque les informations d'utilisation avec en mode vidéo sont complètement différentes que ce que l'on peut avoir besoin en mode photo. Donc, on voit par exemple que vous avez un niveau sonore qui n'apparaît pas sur les modes photographiques. Donc, comment est-ce qu'on accède à ce menu? Puisqu'en fait, c'est un menu de prise de vue, hein, sans rentrer dans les menus spécifiques de l'appareil. Donc, c'est très simple. Il suffit juste d'appuyer sur la touche OK. Et le fait d'appuyer sur la touche OK va vous donner un accès dans le Super Control Panel. Donc, dans ces cas-là, en appuyant sur OK, hein, on voit que le M apparaît ici en surbrillance. Donc, ensuite, vous pouvez naviguer si vous avez envie de changer l'endroit que vous avez envie de modifier au niveau de votre réglage. Vous pouvez, avec le joystick, les flèches du haut, flèches du bas, flèches de gauche, flèches de droite, vous allez naviguer à l'intérieur de ce menu. Et lorsque vous êtes à l'endroit qui vous intéresse, vous avez deux possibilités. Soit de faire basculer les réglages avec la molette arrière, et dans ces cas-là, vous allez voir que les valeurs de la fonction que vous aurez sélectionnée vont changer, ou alors vous appuyez sur la touche OK de votre appareil, et dans ces cas-là, vous allez rentrer dans l'intégralité de tout ce que ce menu que vous aurez sélectionné peut vous offrir. Donc, moi, je travaille comme ça personnellement, puisque ça me donne un accès très rapide à l'ensemble de mes fonctions, hein, et ces fonctions-là, bien sûr, on va les détailler dans la suite de la présentation. Donc, il n'est pas nécessaire ensuite d'appuyer sur la touche OK pour valider. Hein. Quand vous avez fait la modification, vous pouvez repartir en mode shooting et il aura mémorisé le changement que vous aurez appliqué en passant par le Super Control Panel. Donc, on va détailler ce menu puisqu'il y a beaucoup de choses dedans. Donc, je vais essayer, moi, de me réduire puisqu'en fait, ce qui est important, c'est de voir les écritures. Donc, la première chose que l'on voit en accès direct, vous avez la possibilité de changer votre balance de blanc. Donc, tout ce que je vous dis là, ce n'est pas la peine d'aller dans le menu de l'appareil. Ce sont des choses qu'on peut modifier à partir de cet écran de contrôle. Donc, déjà, la balance de blanc. Ensuite, on va avoir un indicateur d'exposition. Donc, ça, c'est principalement pour les gens qui travaillent en manuel. Si jamais ils ont envie, à un moment, d'avoir une réalité de leur cadrage, mais sans avoir l'incidence de l'exposition, on a ici un indicateur d'exposition qui va vous dire si vous êtes en sous-ex, et bien vous serez vers la gauche, et si vous êtes en sur-ex, votre valeur ira vers la droite. Nous allons ensuite avoir un indicateur de prise de vue, donc tout ce qui est vitesse, diaphragme, sensibilité ISO utilisée, donc le fameux trio qui vous donnera l'exposition de votre image. Donc là, on voit par exemple qu'on est au 1 tiers de seconde, ouverture de 8, ISO 100. Donc ça, ce sont les informations de prise de vue que vous allez utiliser pendant votre shooting. Nous avons également ensuite un indicateur de connectivité. Donc cet indicateur de connectivité vous indique si vous êtes en Wi-Fi ou en Bluetooth avec votre appareil, ce qui vous permettrait de le commander à distance ou de récupérer potentiellement les images que vous avez réalisées. Nous avons ensuite un bouton qui reprend comme un engrenage. Cet indicateur-là vous permet d'affecter des fonctions particulières. Donc, si vous avez envie, par exemple, sur la touche que l'on voit à l'arrière de l'écran, si vous voulez affecter là où il y a la touche ISO, on pourrait très bien, là où vous avez la touche ISO, hop, je vais mettre ma souris dessus, voilà. Si vous avez à cet endroit-là envie d'avoir autre chose que le ISO, si vous appuyez sur cette roue dentée, vous allez avoir tous les symboles et dans ces cas-là, vous allez sur le symbole et vous lui indiquez quelle fonction vous voulez affecter à la sensibilité, à la place de la sensibilité ISO. Ici, vous allez vous retrouver avec tous les paramètres de flash, donc savoir si vous voulez être en flash TTL, en flash manuel par exemple, c'est à cet endroit-là aussi qu'on peut faire le choix. Ici, vous allez arriver sur les paramètres de stabilisateur. Donc, de base, il est sur automatique. Moi, c'est le mode que je préconise. Mais si vous avez envie, par exemple, de faire des effets de filet,
Dans ces cas-là, il vaudra mieux désactiver l'axe de l'effet de filet de façon à pouvoir que l'effet de filet soit réalisé comme vous avez envie de le faire et qu'il n'y ait pas de compensation d'exposition à ce moment-là. Ici, vous allez avoir, pardon, j'étais un peu vite, la résolution vidéo. Donc là, on peut voir qu'on est en 4K, par exemple. Donc c'est là aussi que vous allez changer vos différentes valeurs de résolution et de vitesse. Si vous avez envie, par exemple, de travailler en Full HD en 240 images par seconde pour faire du slow motion, vous pouvez y aller de cette façon-là sans passer par le menu de l'appareil. Ici, c'est le format image. Donc, le format image, c'est là que vous allez travailler sur l'intégralité du capteur. Donc là, on est en 4 tiers. Mais pour les gens qui sont habitués au 3,5, par exemple, vous pourriez très bien sélectionner le 3,5. Et dans ce cas-là, votre JPEG serait en 3,5. Et pour ceux qui font du RAW et du JPEG, le RAW, lui, vous aurez toujours la possibilité de le récupérer en 4 tiers. Mais votre cadrage, et ce que vous allez voir dans le viseur ou sur l'écran, lui, sera bien en 3,5, par exemple. Ou en rapport 1 sur 1, pour ceux qui aiment bien le format carré, c'est aussi à cet endroit-là que l'on peut mettre son appareil au format carré. Je vous parlais justement de la résolution photo cette fois-ci. Donc, c'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir activer le JPEG avec les différentes possibilités de JPEG que vous avez dans l'appareil. Et le format RAW également, c'est à cet endroit-là que vous allez le sélectionner ou pouvoir additionner les deux, pouvoir travailler en RAW et JPEG de façon à avoir deux fichiers sur votre carte mémoire, donc le fichier JPEG qui sera traité via l'appareil ou le fichier RAW que vous devrez vous éditer et exploiter via vos logiciels de traitement, via par exemple Olympus Workspace bien sûr. Là vous avez la mesure d'exposition choisie, donc on peut travailler en mesure spot, en pondéré central, en multi-expo, là c'est le cas de la mesure que l'on voit ici à l'écran. Donc là c'est vraiment des choix personnels. Maintenant je vous rappelle l'avantage de l'hybride, c'est que vous voyez en temps réel votre exposition. Donc avec la molette avant, vous avez juste à la tourner dans un sens ou dans l'autre pour faire basculer la luminosité, soit en sous-exposition, soit en surexposition. Donc, mais là, c'est à cet endroit-là, pour les gens qui ne veulent pas utiliser cette méthode de travail, ils peuvent retrouver les différentes mesures d'exposition. Ici, vous avez des options pour la carte SD. Donc, je vous rappelle que ce modèle dispose de double slot, donc deux cartes SD. Donc, c'est à cet endroit-là qu'on peut paramétrer, par exemple, une carte SD dédiée à la photo, la deuxième carte SD dédiée à la vidéo, ou alors une carte SD dédiée au JPEG et une carte SD dédiée au fichier RAW. Donc, c'est à cet endroit-là qu'on peut le paramétrer. À cet endroit-là, vous allez paramétrer tout ce qui est mode rafale et mode silence. Donc, c'est là que vous allez chercher, par exemple, le mode en 250 images par seconde, donc vous pouvez très bien, ou le retardateur, c'est à cet endroit-là que vous allez être capable d'aller chercher les différents modes de rapidité. Ici, vous allez sélectionner les différents paramètres autofocus, automatique ou manuel, avec l'intégration, on le voit sur la droite, de la détection des sujets humains, cette fois-ci, puisqu'on peut reconnaître le visage. Donc, vous pouvez faire le choix du visage ou soit du visage avec l'œil ou alors le choix de l'œil droit ou de l'œil gauche. Donc, c'est à cet endroit-là qu'on peut aller chercher ce genre de paramétrage. Ici, vous avez les paramètres images. Donc, c'est là un peu qu'on va faire le choix, comme à l'époque de la pellicule, de travailler avec une pellicule qui a une dominante un peu plus forte dans les couleurs ou une dominante un peu plus faible. Donc, c'est également là qu'on va choisir, par exemple, le mode portrait qui, lui, va être plutôt orienté sur la teinte de la peau. Où c'est également là qu'on peut basculer l'appareil en noir et blanc. Pour les gens qui veulent faire du noir et blanc, on peut basculer par ce mode pour directement travailler en noir et blanc. Donc, vous pouvez également retrouver tous les modes qui ont fait le succès de certains de nos produits sur les filtres. Ici, on va avoir les paramétrages, le choix des collimateurs. Donc, vous pouvez travailler avec des groupes de collimateurs ou avec des collimateurs uniques. Donc, un collimateur qui peut être un peu plus gros et un micro-collimateur. Donc, je vous rappelle que ce modèle a 1053 collimateurs. Donc, on travaille par groupe. On peut avoir des systèmes en croix. Donc, c'est à cet endroit-là qu'on peut aussi faire le choix. Si vous ne voulez pas passer par le menu, il suffit juste d'appuyer sur la touche qui se trouve ici. Si vous voyez ma souris, à cet endroit-là. Si vous laissez le doigt appuyé dessus, enfoncé, et que vous tournez la molette avant,
vous allez faire défiler les différents modes qui se trouvent à cet endroit-là. Et puis, bah, cet endroit-là, bien sûr, le premier symbole qu'on a vu tout à l'heure, qui était en surbrillance, c'est le mode qui vous indique dans quelle priorité vous allez être. Là, on est en mode manuel. Et si jamais je travaillais en priorité ouverture, je serais avec le A. Si j'étais en priorité vitesse, je serais avec le S. Et si je veux travailler en mode automatique, je serai donc en mode programme et je verrai donc le P apparaître. Donc voilà rapidement tous les menus. Vous voyez, il y en a beaucoup sur lesquels on peut déjà intervenir au moment de la prise de vue sans avoir besoin de rentrer dans les menus qu'on va détailler tout à l'heure. Donc on a maintenant la même chose en vidéo. Donc vous voyez, hein, on va passer plus rapidement puisqu'il y a des choses qui sont identiques. Donc la balance de blanc, on la retrouve. On va également avoir l'indicateur d'exposition qui va se retrouver au même endroit. On va y retrouver les informations de prise de vue et de sensibilité ISO. Ensuite, on va retrouver pareil la connectivité, puisque cet appareil peut également être piloté en vidéo, pas uniquement en photo. Donc ici, on a l'affectation des fonctions hein, dont on a parlé tout à l'heure. Ici, encore une fois, la résolution de la vidéo dont nous avons déjà parlé tout à l'heure également. Toujours le stabilisateur d'image à votre disposition dans ce menu. Ici, vous avez l'indicateur du micro. Donc, vous avez micro et après, vous verrez qu'on peut régler également le casque puisque vous l'avez ici, le niveau de casque. Et ici, vous avez la possibilité justement de faire varier le niveau de votre micro si jamais le vu-mètre qui se trouve à cet endroit-là n'est pas suffisant. Donc, il faut être, on va dire au niveau de 12. Il faut être ni trop bas ni trop haut pour ne pas avoir un son saturé lorsqu'on utilise un micro. Bien sûr, mon conseil est principalement d'utiliser un micro externe de façon à le raccorder à l'appareil. Et un micro externe, vous pouvez raccorder par exemple les LSP4 de chez nous. Ça fonctionne très bien hein, et vous pouvez adapter donc le niveau de vos LSP4 via ce niveau-là. Là, on va retrouver encore une fois les paramètres autofocus. Donc, ne pas oublier d'activer éventuellement, moi c'est le cas sur le modèle que j'ai en face de moi, d'activer la détection de visage automatique. Donc, de cette façon-là, bah, la mise au point se fait automatiquement. Vous voyez, si je rappuie, hop, si jamais il y a besoin de recalculer quelque chose, il ira le recalculer. Donc, encore une fois, les modes images hein, pour les préférences, le choix des collimateurs. Donc, en vidéo, en général, on travaille plutôt avec quelque chose de centré, que d'aller chercher des collimateurs dans tous les sens. Donc ça, les paramètres de mise au point en vidéo, c'est pareil. Les settings au niveau des résultats sont vachement importants. Il faut vraiment bien les respecter. Sinon, on peut avoir de mauvaises surprises. Mais si vous réglez l'appareil correctement en mode vidéo, je peux vous assurer que ça marche sans aucun problème. Donc ici, on a le mode prise de vue. Hein, donc on peut très bien basculer la vidéo comme la photographie maintenant. Ça fait partie des évolutions du système. En passant directement par le super contrôle panel, donc l'écran de contrôle arrière, on peut basculer du mode priorité. Là, on est en programme. Hein, on peut très bien décider de travailler en priorité ouverture. Et dans ces cas-là, vous allez basculer votre vidéo en priorité ouverture. Voilà ce que je pouvais vous dire déjà sur la première interface. Donc, je vois qu'il n'y a pas de questions pour le moment. Donc, ça va, ça doit être clair. N'hésitez pas hein, s'il y a des petites choses que vous n'avez pas compris. Je reste à votre disposition, bien sûr. Donc là, maintenant, on va passer dans le menu de l'appareil. Donc là, c'est vraiment le cœur du boîtier qui vous permet d'avoir accès à des fonctions qui ne sont pas forcément intégrées dans l'écran arrière. Même là, si on voit qu'il y en a beaucoup, hein, par exemple, le choix du cadrage, c'est quelque chose qu'on a déjà vu également en accès direct au niveau du super contrôle panel. Quand on voit ici la résolution, on l'a également vu à cet endroit-là. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien intégrer que énormément de fonctions sont possibles très rapidement avec cet écran, ce qu'on appelle encore une fois le super contrôle panel. Et n'hésitez pas à utiliser ce mode-là avant d'aller mettre les yeux dans le menu de l'appareil qui peut être très fourni et qui finalement peut être utilisé beaucoup moins si on a bien compris la logique du super contrôle panel. Donc, on a... Dans cette façon d'être, de travailler pardon, sur ce menu, on va avoir déjà les informations principales qui vont se trouver en haut. Donc, vous avez l'appareil photo numéro 1, appareil photo numéro 2, tout ce qui est lié à l'autofocus, la vidéo, le payback, donc la relecture de vos images, et le reste, ce sera des paramètres. Mais ça, on va les détailler. Donc,
pour faire basculer de l'appareil photo numéro 1 vers l'appareil photo numéro 2 ou autofocus, j'ai juste à tourner la molette avant. Et à ce moment-là, je vais décaler mes icônes. Donc, c'est comme une boîte à outils hein, que vous avez dans le barre d'outils, pardon, que vous avez dans vos logiciels. C'est, ça fonctionne de la même façon. Donc, vous les faites basculer de gauche à droite, tout simplement en tournant la molette avant. Ensuite, vous allez avoir les onglets, les sous-menus, si vous préférez. Donc là, vous avez le menu principal, donc appareil photo numéro 1. Et l'appareil photo numéro 1 a 8 sous-menus. Donc pour faire basculer ces sous-menus, là, ce n'est plus la molette avant, on bascule sur la molette arrière. Donc molette arrière, molette avant. Et là, dans ces cas-là, vous allez basculer dans les sous-menus. Pour défiler de bas en haut, il faudra utiliser le joystick avec la flèche du bas ou flèche du haut pour aller dans le menu qui vous intéresse. De cette façon-là, tout simplement. Donc là, vous allez descendre ou remonter dans ce qui vous intéresse. Et quand vous y êtes, vous appuyez sur la touche OK et vous allez rentrer dans le menu que vous aurez sélectionné. Donc on a tout placé à gauche hein, parce que c'est un aspect visuel qui est beaucoup plus rapide que de voilà. C'est la logique de ce menu. Et en fait, à droite, vous allez avoir les principales les réglages que vous avez affectés à vos menus. Donc, le premier, ce sera la prise de vue. Le deuxième, ce sera les fonctions spécifiques. Je vous l'ai dit tout à l'heure, donc ça, je passe assez vite. Les problèmes de relecture, les paramètres personnalisés, la configuration du boîtier et ce qu'on appelle My Menu pour pouvoir affecter vous. Mais ça, c'est pareil, on va le détailler tout à l'heure et vous verrez comment on va enregistrer un menu dans mon menu. Donc, une fois qu'on est dans ces paramètres-là, hein, on n'a plus qu'à aller chercher les modes et basculer hop, à cet endroit-là. Ici, vous avez le petit onglet qui vous indique le mode qui est sélectionné. Vous pouvez faire défiler ici avec, pareil, les flèches du haut, flèches du bas, si vous voulez changer. Et vous avez ici d'indiquer ce que vous avez sélectionné. Donc, vous voyez, c'est assez facile. On comprend vite, hein, c'est très visible. À partir du moment où vous avez un onglet, on vous dit à quoi il sert. Et après, vous avez juste avec les flèches ici, ça vous indique que vous avez encore un menu en dessous, en fait. Donc, vous n'avez plus qu'à descendre la flèche pour voir ce qui va se trouver en dessous. Puisque là, je vous dis tout à l'heure, il y a différents modes. Donc, on peut aller chercher des modes différents en dessous de SH2, par exemple. Vous allez encore voir des choses. Et là, on le voit avec les petits onglets qui se trouvent à cet endroit-là. Donc ici, c'est quelque chose, pareil, qui est nouveau et qui est très apprécié. Hein, c'est la possibilité... maintenant de comprendre pourquoi on n'a pas accès à une fonction. Donc là, vous voyez, je vous ai fait une capture d'écran, par exemple, en ne mettant pas une deuxième carte. Donc forcément, lorsque j'ai voulu changer un réglage, c'est grisé, puisque je n'ai pas de deuxième carte. Donc si je veux savoir et que je ne sais pas pourquoi c'est grisé et que je n'ai pas accès, si j'appuie sur la touche OK, hop, il me dit, cet élément ne peut être, pour la raison suivante, pas de carte. Donc effectivement, je n'avais pas mis de carte dans l'appareil. Donc c'est un rappel pour moi pour me dire, tu as fait une bêtise, cette fonction ne peut pas être activée parce que, voilà, maintenant on sait pourquoi. Alors qu'avant, c'était grisé, mais on ne pouvait pas savoir si on avait fait une erreur ou pas. Donc ça, c'est une évolution dans le produit que je trouve super intéressante. On va passer au menu 1 de l'appareil qui présente 8 onglets. Donc l'appareil photo numéro 1, avec les 8 onglets, vont être principalement des onglets de paramétrage de prise de vue. Donc, ce n'est pas à cet endroit-là, par exemple, qu'on va chercher à changer les collimateurs. Ce n'est pas à cet endroit-là qu'on va chercher à avoir des réglages vidéo. Là, on va chercher tout ce qui est lié à la base photographique, aux paramètres de prise de vue. Donc, le premier onglet, c'est tout ce qui est réglage de base. Hein. On l'a vu déjà beaucoup tout à l'heure sur le choix du cadrage, le choix de la résolution. Les paramètres de détail, ça c'est la compression par exemple qu'on peut affecter à certains JPEG. Donc vous allez les retrouver à cet endroit-là. Donc ensuite, on va voir les modes image dans le sous-menu numéro 2. Donc le mode image, c'est là où je vous ai dit tout à l'heure, on peut faire le choix du noir et blanc, le choix d'une colorimétrie un peu plus poussée. Bien sûr, tout ça c'est sur le JPEG, ce ne sera pas sur le RAW. Donc c'est là également qu'on peut intervenir sur la balance de blanc. Si vous ne voulez pas passer par le menu dont on a parlé tout à l'heure. Donc, tous ces réglages-là, hein, tout à l'heure, on les a vus
dans le Super Control Panel. Ensuite, on va avoir le sous-menu numéro 3 de l'appareil photo numéro 1, qui lui va être principalement dédié à la sensibilité ISO. Donc tous les paramétrages de sensibilité ISO et potentiellement de réduction de bruit, c'est à cet endroit-là que vous pourriez avoir à intervenir si jamais vous le souhaitiez le faire. C'est également à cet endroit-là que vous allez pouvoir faire jouer le niveau automatique de la sensibilité ISO. Si vous travaillez en ISO automatique, savoir de quel niveau minimum à niveau maximum vous avez envie que ce soit utilisé. Ici, c'est tout ce qui est lié à l'exposition. Donc, par exemple, le scan de scintillement, ça c'est quand vous travaillez sur des lumières néons qui ont tendance à éteindre et s'allumer. On peut réduire à cet endroit-là. Ici, c'est tous les paramètres d'expo. Donc, ce sera dans le sous-menu numéro 4. Dans le sous-menu numéro 5, c'est tout ce qui est lié à la mesure de lumière. Donc, la mesure de lumière que vous pouvez mémoriser, par exemple, avec la touche AEL. Dans ces cas-là, vous allez mémoriser, vous, une exposition et après refaire un cadrage différent. Donc, c'est potentiellement à cet endroit-là que vous allez déterminer comment vous avez envie de travailler. Donc, vous voyez, la touche AEL à mi-course, on peut aussi déterminer que la touche AEL peut servir uniquement pour l'autofocus, en single AF. Donc, ce sont des choses qu'on peut personnaliser assez facilement. Là, c'est tout ce qui est lié au flash. Donc, c'est aussi là, par exemple, qu'on va pouvoir faire les paramétrages avec le FL700 chez nous, qui est un flash qu'on peut piloter à distance. C'est à cet endroit-là qu'on peut rentrer également dans les paramétrages. Vous voyez, c'est aussi là, pour les gens qui travaillent en studio, on peut choisir la vitesse de la synchro X. Si vous avez envie de travailler à une vitesse inférieure au 250e, vous pourriez très bien travailler en dessous du 250e. Là, c'est tous les paramétrages des modes rafale. Donc, mode rafale, pro capture, le mode silence, et ainsi de suite. C'est à cet endroit-là qu'on va pouvoir intervenir. Et le dernier sous-menu, ce sera le sous-menu dédié au stabilisateur d'image. Donc, on est capable aujourd'hui, vous voyez, de pouvoir activer beaucoup de choses au niveau du stabilisateur ou de ne pas l'activer, puisqu'il y a des gens qui aiment bien jouer sur le côté artistique des images et ne cherchent pas l'image nette, absolue, dans des vitesses lentes. Donc là, on peut désactiver des fonctions par rapport au stabilisateur. Donc, c'est dans le menu 8 que vous allez trouver l'intégralité de ces réglages. Donc voilà la vue d'ensemble du menu appareil photo numéro 1 qui vous présente 6 onglets qui vont être repris comme je vous l'ai indiqué ici. Ensuite, on va passer dans le menu appareil photo numéro 2. Donc lui, il a un peu moins d'onglets. Lui va présenter 2 onglets puisque là, on est vraiment sur les techniques d'assistance photographique pour optimiser les résultats. Donc c'est là qu'on va trouver par exemple la haute résolution. Donc, pour les personnes qui seraient intéressées par ce mode, je vous rappelle que de mémoire, c'est le 31 avril, où je ferai une présentation via Zoom. Donc, dans ces cas-là, il faut s'inscrire de la même manière que vous avez potentiellement pu vous inscrire sur la présentation de ce soir. Vous verrez, le 31, il y a une thématique sur la haute résolution. Donc là, on rentrera dans les détails et comment on fait les différents réglages de la haute résolution, qui peut être en 50 millions de pixels, en 80 millions de pixels, à main levée ou sur trépied. Donc, le 31, je rentrerai plus dans les détails de cette fonction. C'est aussi là qu'on a le filtre ND, par exemple, qu'on peut activer. Donc ça, je vous en parlerai un peu plus tard également. Voilà, toutes les fonctions qu'on retrouve à cet endroit-là sont des fonctions qui vont vous aider à optimiser votre prise de vue. Là, ici, on va retrouver d'autres fonctions, dont les réglages, par exemple, du Live Composite et de la pose B. Donc, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir rentrer dans les réglages. C'est aussi là, c'est quelque chose que moi, j'aime beaucoup utiliser en ultra grand angle. On a la compensation trapézoïdale, par exemple, lorsque vous êtes en shooting prise de vue dans la rue. Et ben, si vous êtes sur un bâtiment, forcément, avec l'ultra grand angle, votre bâtiment va avoir tendance à être un peu dans cette forme-là. Et ben, vous activez cette fonction et avec la molette avant, molette arrière, vous allez récupérer les fuyantes pour que votre bâtiment se retrouve droit et non pas incliné comme ça. Cette fonction est active sur le JPEG uniquement, de façon à ce que vous puissiez garder votre fichier RAW éventuellement, si vous avez envie d'aller plus loin dans le réglage avec des logiciels vraiment dédiés au redressement des fuyantes. Je n'ai pas l'appareil en main et je ne peux pas le faire. Bonsoir, l'écran est-il tactile afin d'éviter d'utiliser la molette et les curseurs?
Alors, l'écran est tactile. Alors, je suis désolé, je travaille sur deux écrans, donc ma tête peut faire ça. Donc, je vais répondre à deux questions que je vois apparaître. L'écran est tactile quand on utilise l'écran arrière, donc le super contrôle panel. Donc là, vous pouvez effectivement naviguer au niveau, sans utiliser la molette avant ou la molette arrière, vous allez pouvoir, via l'écran tactile, sélectionner l'endroit et le mode que vous avez envie de modifier. Et si vous cliquez deux fois dedans, vous allez rentrer dans le menu à la place d'appuyer sur la touche OK. Alors, c'est Gaël qui m'a posé cette question. Je ne pense pas, j'ai l'appareil en main et je ne peux pas le faire. Alors oui, alors du coup, là, vous me donniez la réponse derrière. C'est uniquement sur le super contrôle panel. Dans le menu dans lequel je suis en train de. Que le menu que je suis en train de vous présenter en ce moment, lui, ne sera pas tactile. Donc là, vous ne pourrez pas le faire. Voilà, donc j'espère que ça répond à votre question. Donc ensuite, on va avoir dans les techniques de shooting particulières tout ce qui est lié au focus bracketing. Donc, même si on est sur un produit pro, vous avez remarqué pour les gens qui connaissaient nos produits et qui aimaient jouer avec nos filtres artistiques, vous allez les retrouver à cet endroit-là. Donc, les filtres artistiques se trouvent sur Art BKT. Et si vous rentrez dedans, vous allez pouvoir sélectionner quel filtre vous avez envie d'utiliser. Et à ce moment-là, vous allez les cocher. Et quand vous ferez votre photo, vous allez déclencher qu'une seule fois. Et lui va appliquer tous les filtres ou un seul filtre que vous aurez sélectionné au moment du déclenchement. Par contre, vous n'allez pas le voir en visuel. Ce sera fait en post-traitement. Mais ça va très vite, hein. Je vous rappelle la méthode de calcul avec ce nouveau microprocesseur qu'on utilise, le TruePic X. Donc, on est 60 fois plus rapide que ce qu'on était avant. Donc, forcément, ça va être quelque chose d'ultra rapide et qui peut être intéressant à utiliser. Hop. Donc ensuite, on va passer aux paramètres d'autofocus, aussi bien photo que vidéo. Donc ça, c'est important, ce sont des paramètres qu'il ne faut pas négliger. Pour les gens qui connaissent nos produits qui font beaucoup de photos, entre autres animalières ou des thématiques assez précises, le choix et les réglages en autofocus sont primordiaux pour ne pas avoir de photos floues ou de vidéos floues. Donc, si jamais on fait des erreurs dans ces paramétrages, on peut avoir une incidence au niveau de notre prise de vue. Donc, c'est quelque chose d'important. Je prévois également une conférence dédiée à ce mode. Donc là, ce sera une thématique qui sera assez lourde parce qu'il y a beaucoup de réglages possibles. Donc, dans ces cas-là, je pense que je ferai ça mi-avril, je pense. Donc, soit avant le Festival de l'Oiseau, soit après le Festival de l'Oiseau où on sera présent. Donc, je pense organiser également une conférence dédiée vraiment aux différents réglages que l'on a à notre disposition. Donc, la première partie de l'onglet numéro 1 de l'autofocus, ça va être, vous voyez ici les modes AF par exemple, c'est ici là qu'on va pouvoir intervenir si on va être en AF continu, en AF tracking, en AF single AF plus MF. Voilà, ce sont des choses qu'on est capable d'aller chercher à cet endroit-là, de façon à optimiser ces réglages d'autofocus. Ensuite, est-ce qu'on va avoir une lumière AF? Vous savez, c'est la petite lumière qui va aller éclairer votre sujet si jamais il n'y a pas assez de lumière qui éclaire votre sujet. Donc, vous allez avoir ce qu'on appelle une assistance autofocus. Donc, ensuite, c'est aussi là, c'est un peu intéressant pour ceux qui aiment bien utiliser cette fonction sur la photo animalière, et je pense principalement aux oiseaux et aux animaux de compagnie, mais au sens large du terme, aux animaux. La détection des sujets se trouve à cet endroit-là. Donc, c'est là qu'on va activer, par exemple, qu'on veut détecter les oiseaux. Donc, les gens qui font de la photo au niveau des oiseaux, vous allez à cet endroit-là, vous choisissez les oiseaux et votre appareil photo, automatiquement, il va détecter des oiseaux dans votre composition d'image. Il fera la mise au point sur les oiseaux. Il ne va pas s'occuper du reste. Donc là, on passe sur une priorité. Même si vous avez fait le choix de collimateur, dès qu'il verra des oiseaux, même s'ils sont en dehors des collimateurs que vous aurez choisis, il ira chercher l'oiseau. Donc là, pareil qu'au niveau des yeux, voilà, c'est plein de réglages pour optimiser les possibilités étendues de cet appareil au niveau de l'autofocus. Donc là, pareil, priorité au centre pour la live continue. Donc moi, c'est ce que j'utilise par exemple en vidéo. Donc j'essaye d'être toujours au centre de mon nuage. Hein. Lorsqu'on fait de la vidéo, c'est généralement ça. Là, de cette façon-là, je sais que je vais avoir quelque chose d'assez efficace. Ça, c'est un réglage qui est très important aussi en fonction des sujets.
quand on joue sur la sensibilité de l'autofocus en continu, on va déterminer si à un moment donné un sujet passe devant moi, si ça doit avoir un impact immédiat ou pas, ou si je laisse passer le sujet qui passe puisque je reste le sujet principal. Donc c'est à cet endroit-là, par exemple, qu'on va déterminer ce réglage. Donc si jamais on est par exemple sur un sujet qui vient et qui avance vers vous, vous avez intérêt à ce que la sensibilité soit au maximum. Donc là, j'aurais tendance à le mettre au maximum. Par contre, si par exemple, je prends un exemple sur un match de foot, ou si je suis un joueur, il peut y avoir d'autres joueurs qui passent devant lui. Là, je vais faire l'inverse. Je vais le régler au minimum, de façon à ce que la réactivité de mon autofocus ne soit pas importante, de façon à ce qu'il garde mon sujet principal en mémoire et qu'il ne soit pas influencé par un sujet qui passerait devant moi. Donc, c'est à cet endroit-là qu'on peut aussi optimiser ce réglage. Donc, tout ce qui est au focus vidéo, voilà, cet endroit-là, c'est la même chose, hein, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, si jamais, effectivement, on fait des réglages photo pour faire de la vidéo, et on peut avoir des soucis. Donc, c'est bien d'intervenir au niveau de l'autofocus sur les paramètres vidéo. Donc, ensuite, on a les réglages en termes de collimateur, là aussi dédiés à la vidéo. Donc, on va reprendre un petit peu des choses qu'on a déjà vues, hein, l'orientation. C'est-à-dire que votre appareil, on peut l'utiliser en paysage ou en portrait, de cette façon ou cette façon-là. Donc, on peut mémoriser, par exemple, des collimateurs lorsqu'on est de cette façon-là. Et en général, lorsqu'on est en portrait, c'est pour faire des portraits, ça porte son nom. Donc, dans ces cas-là, les collimateurs, il ne faut pas forcément qu'ils soient au milieu, il faut qu'ils soient plutôt en hauteur. Et bien, on peut avoir mémorisé des collimateurs en format portrait là-haut, par exemple, avec un pavé de 5 collimateurs, pas plus. Et si jamais on est sur du paysage, dans ces cas-là, on peut travailler avec plus de collimateurs et on va mémoriser ces deux réglages liés à l'orientation. Donc, c'est à cet endroit-là qu'on peut faire ce genre de réglage. Et là, on va réinitialiser. Hein, c'est un endroit où on peut aussi mémoriser des choses avec les optiques. Vous voyez, on peut déterminer les distances. Encore une fois, c'est des produits qui peuvent aller très loin dans les réglages. Moi, mon conseil, c'est ne vous perdez pas dans des réglages si vous n'en avez pas besoin. Voilà, c'est bien d'optimiser son produit. C'est vrai que moi, j'ai la chance de travailler depuis très longtemps pour la marque et je navigue et je peux optimiser mes produits à plus de 300%. C'est une certitude. Mais prenez le temps d'y aller et prenez le temps de bien comprendre le réglage sur lequel vous allez intervenir de façon à ce que ça reste positif dans votre manipulation de produits et dans le résultat. Donc, c'est vrai bien important de ne pas toucher à tout si on n'en a pas besoin. Donc, les paramètres vidéo, bon voilà, c'est là où on va intervenir sur les différents codecs, par exemple. Donc, et sur la qualité d'image, encore une fois, on va intervenir sur la vitesse. On peut travailler maintenant en 4K en 60 images par seconde. Donc, c'est aussi là, si on ne passe pas par le super contrôle panel, qu'on peut changer la priorité. Donc, soit on met en mode programme, en priorité vitesse, en priorité ouverture. Donc, c'est à cet endroit-là qu'on peut également intervenir. Et si jamais vous avez envie de, sur de la 4K, par exemple, de jouer avec le téléconvertisseur, vous allez vous retrouver avec une qualité qui va plutôt se rapprocher peut-être de la Full HD, mais vous allez pouvoir jouer sur un téléconvertisseur. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut dépanner, être intéressant. Donc là, on a différentes assistances, hein, pareil sur la balance de blanc, sur la compensation de balance de blanc, des couleurs chaudes, oui ou non. Donc ça, ce sont des choix qui sont vraiment très personnels et qu'on ne retrouve pas cette fois-ci dans le super contrôle panel. Donc là, on peut aller changer beaucoup de réglages si vous avez envie de le faire. La même chose au niveau de la sensibilité ISO, hein, c'est un peu ce qu'on a retrouvé tout à l'heure en mode photo. Et là, on voit, hein, en mode automatique, on est de 200 à 12800 ISO. Donc c'est quelque chose qui peut vous permettre de travailler sur une plage plus courte ou plus longue, en fonction de ce que vous avez envie de réaliser et de la qualité que vous recherchez, en sachant, encore une fois, grâce à ce nouveau capteur empilé rétro-éclairé, on peut monter dans des sensibilités ISO très importantes aujourd'hui, comparées à nos modèles précédents. Donc la même chose en stabilisation, vous voyez, on peut jouer même sur le niveau de stabilisateur de façon à le rendre plus ou moins performant. Si par exemple, vous êtes en train de faire une scène d'action en vidéo, si vous êtes trop stabilisé, que ça ne bouge pas, la scène d'action, elle est moins impactante. Donc, on va pouvoir jouer sur le niveau du stabilisateur pour pouvoir justement montrer qu'il se passe des choses et que ça bouge. Donc, si vous êtes, par exemple, en train de suivre une voiture et que vous voulez, sur une autoroute, que vous avez envie que ce soit droit, vous restez comme ça. Et si vous voulez donner l'impression que c'est une route cabossée,
bah, vous avez intérêt à réduire l'efficacité du stabilisateur pour montrer que vous êtes sur une route cabossée. Donc ça, ce sont des à cet endroit qu'on peut intervenir au niveau des réglages. Au niveau de l'enregistrement du son, donc c'est aussi là sur lequel on peut intervenir. On peut aussi intervenir sur la sortie HDMI pour aller potentiellement attaquer un lecteur externe. Donc c'est à cet endroit-là qu'on va pouvoir trouver l'ensemble des paramétrages et tout ce qui est lié là aussi au Zebra. On en parlait pour ceux qui étaient là à la première présentation de l'OM1. C'est là qu'on va avoir l'activation du mode Zebra. C'est là qu'on va également avoir l'activation ou non du fameux cadre rouge qui va être intégré lorsque vous allez lancer l'enregistrement. Donc, voilà, ce sont à cet endroit-là, dans le sous-menu numéro 6 de la vidéo, que vous allez pouvoir trouver ces possibilités. Donc, au niveau des paramètres de lecture, donc là, on est sur de la relecture. Hein, donc, vous allez voir, les paramètres sont assez simples. C'est à cet endroit-là qu'on peut également effacer toutes les images. C'est là qu'on peut envoyer les images sur une imprimante, les différentes fonctions qu'on valide ou qu'on ne valide pas, le fait de zoomer dans l'image, dans la dernière, un effacement rapide, oui, non. Alors attention si vous mettez oui, parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, si jamais vous appuyez par erreur pour effacer une photo, il ne va pas vous demander oui ou non, il l'efface. Donc ça, attention, effectivement, c'est un gain de temps, mais c'est aussi la possibilité d'effacer des photos par erreur. Donc attention si vous utilisez l'effacement rapide. Bon, c'est là que vous allez également travailler sur l'effacement, on le voit, des deux fichiers, ou de pouvoir effacer que le JPEG ou que le RAW quand vous voyez certaines photos. Si vous avez une photo que vous trouvez basique, par exemple, vous pouvez très bien dire, bah, le RAW, je m'en fous, je ne le garde pas. Et bien, dans ces cas-là, vous demandez un effacement que du JPEG et pas du RAW. Là, vous allez également avoir la possibilité, vous voyez, quand vous tournez l'appareil, encore une fois, que la photo tourne en fonction du positionnement que vous avez de votre appareil. Ce sont des choses qu'on peut avoir besoin d'activer ou de désactiver. Vous allez le trouver dans le menu 3 de cet appareil. Donc, le cinquième onglet, ça va être pour les paramètres d'utilisation, hein, donc tout ce qui est personnalisation de l'appareil. Donc, les réglages des boutons, les touches de raccourci, les paramètres du levier que vous avez à l'arrière, tout ça va se trouver à cet endroit-là, le réglage du zoom électrique également pour certaines optiques de chez nous. Donc la macro en live view, il y a différents modes également qu'on peut activer. Donc tous les menus et tous les paramètres que vous avez envie de personnaliser pour que ce soit votre boîtier et pas celui de l'autre, ben voilà, c'est à cet endroit-là qu'on peut le faire. Je vais revenir rapidement par exemple sur le paramètre du levier. Moi, sur mon boîtier personnel, c'est mon bouton on-off. On peut, avec ce levier, décider d'avoir la mise en marche ou l'extinction du produit pour ne pas avoir utilisé l'autre main pour le faire. Donc moi, j'aime bien avoir tout sur une seule main. Donc le levier sur mon produit est affecté à la position on-off. Donc voilà, c'est une petite astuce que je vous donne si jamais ce sont des choses qui peuvent vous intéresser. Donc les différents modes, le live view, là c'est pareil, hein, c'est cet endroit-là qu'on va pouvoir choisir d'avoir la réalité de votre image, c'est-à-dire est-ce que je veux voir si je suis sur ex ou sous ex, ou est-ce que je veux avoir une image toujours devant moi et que je vais me focaliser sur mon niveau pour voir si je suis sous ex ou pas. Donc ça, c'est l'activation du live view ou de la non-activation du live view à ce moment-là. Voilà, la vision nocturne, c'est pareil, ce sont des choses qui peuvent vous aider. Le scintillement, ça c'est une fonction qu'on me demande souvent sur les événements. Le scintillement, c'est la fréquence des néons. Quand vous êtes, par exemple, dans des magasins, quand vous testez un produit, souvent, vous avez un balayage. Donc, ce balayage est lié au néon. Ce n'est pas l'écran ou le viseur qui est de mauvaise qualité. Donc, c'est juste lié à ça. Donc, si vous activez l'anti-scintillement à cet endroit-là, vous allez pouvoir lui demander de travailler sur la fréquence que l'on a, nous, en France, par exemple. On est sur du 50 Hz en Europe. Donc, dans ces cas-là, mettez-vous sur 50 Hz et vous n'aurez plus ce scintillement. Donc, c'est quelque chose aussi qui peut être intéressant et qui peut vous éviter, suivant les endroits où vous êtes, d'avoir l'œil qui fatigue parce que ça scintille un peu dans le viseur. Donc, les viseurs électroniques, le mode 3, là, c'est pareil, ça va vous permettre d'avoir différentes dispositions dans votre affichage, d'avoir des choses en surbrillance, des choses qui sont un peu plus petites. Donc, vous pouvez ajuster
le viseur électronique avec différents modes pour que l'affichage soit différent. Donc ça, c'est quelque chose que là, qui peut intéresser aussi certaines personnes. Donc voilà, à cet endroit-là, on peut vraiment, encore une fois, personnaliser notre appareil. Donc là, on peut également mettre une grille. Il y a des gens qui aiment bien travailler au niveau de la ligne d'horizon. Ils aiment bien avoir une grille pour faire une composition d'image en respectant les règles des tiers. Donc là, c'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir lui ajouter une grille et pouvoir travailler avec un paramétrage de grille sans aucune difficulté. Donc là, on va être dans la configuration du boîtier en lui-même. Donc la configuration du boîtier, hein, c'est là par exemple qu'on va formater les cartes. Donc si jamais vous avez votre carte, moi on me demande souvent les cartes, qu'est-ce que je fais? J'efface ou je formate? Il n'y a pas de vraie règle. Si vous utilisez votre carte que pour faire de la photo, le formatage n'est pas indispensable. C'est-à-dire, vous pouvez très bien effacer vos images. Ce n'est pas la peine de la formater à chaque fois. Moi, j'ai tendance à la formater, on va dire, une fois tous les 2-3 mois, de façon à ce que tout soit remis à zéro. Ce n'est pas la peine de le faire à chaque fois. Maintenant, si votre carte, vous l'utilisez dans différents boîtiers de d'autres marques, si vous utilisez votre carte pour votre ordinateur, pour mettre des présentations PowerPoint, Excel et ainsi de suite, que vous l'utilisez comme un disque dur externe, finalement, votre carte mémoire, là, quand même, moi, je vous conseille, lorsque vous remettez la carte dans votre appareil, pour ne pas avoir de bugs et de mauvaises surprises, là, par contre, il vaut mieux la formater pour lui indiquer que c'est une carte qui est dédiée à la photo avec vraiment un tag dédié à cette thématique-là et ne pas prendre le risque qu'après, il y a des problèmes d'interprétation quand vous allez avoir envie de relire vos cartes. Donc, on peut paramétrer plein de choses. Hein. Là, par exemple, c'est un endroit que je change. Le nom de fichier. Le nom de fichier, il est marqué « se réinitialiser ». Ça veut dire que si vous êtes en shooting, par exemple, vous êtes en train de prendre vos photos. Tac, tac, votre carte, c'est fait. Vous l'enlevez, vous les téléchargez et vous allez remettre votre carte dans votre appareil. Lorsque vous allez effacer vos photos, vous allez redémarrer à 001, 002 et ainsi de suite. Donc, ça veut dire que si vous faites un copier-coller sur votre disque dur après, vous allez vous retrouver avec des fichiers qui sont déjà existants. Donc, il peut vous demander, voulez-vous effacer le numéro d'avant? Non, il ne faut pas. Vous avez envie de garder les deux. Donc, pour éviter cette manip, au lieu de mettre initialisé à cet endroit-là, mettez-vous sur auto. Et dans ces cas-là, l'appareil continuera toujours de le décompte, la numérotation des images en progressif. Donc, il ne reviendra pas à zéro. Donc, il va enchaîner, même si vous enlevez votre carte, même si vous reformatez votre carte, quel que soit le mode que vous allez faire, à partir du moment où vous avez marqué ici « automatique » et non pas « réinitialiser », il va continuer à ajouter des numéros dans la suite logique de ce que l'appareil propose. Donc, ça vous évite d'avoir des doublons si vous avez des images à intégrer dans l'ensemble de sur votre disque dur, dans le même répertoire où il pourrait y avoir les mêmes numéros. Donc après, on peut changer les noms de fichiers. Vous pouvez les nommer, vous pouvez changer les noms qui sont déjà affectés par la marque. On peut également définir ici des différents modes d'enregistrement. Là, la résolution, c'est là, vous me demandez, ça c'est aussi quelque chose qui est important, c'est quand vous imprimez, la résolution pour le print, elle doit être au minimum à 300 dpi. Maintenant, si vos images, vous ne faites que, parce que je suis en train de faire là, de la présentation, si vous êtes en 72 dpi, ça suffit largement. Donc, du coup, vous aurez peut-être un poids de fichier moins fort et vous pourriez vous gagner un peu de place sur votre carte mémoire. Donc, ça, c'est pareil pour les photographes professionnels qui veulent crypter leurs images. On peut également l'activer ici et mettre des informations de prise de vue qui vous concernent. Donc là, ici, ce sont tous les paramétrages liés à l'écran. Donc, si vous avez envie de jouer, par exemple, sur un écran que vous trouvez trop chaud, puisqu'on est aujourd'hui sur de l'OLED, il y a des gens qui trouvent que l'OLED est trop flatteur. Donc, si vous avez envie de réduire un peu cette dominante de l'OLED, ici, vous allez pouvoir jouer sur la température de couleur et pouvoir avoir un écran un peu moins chaud et un peu moins valorisant. Donc, en jouant sur les valeurs à cet endroit-là. Par contre, attention, on parle bien de l'écran. Donc, vos photos, elles, n'auront pas d'impact. Là, on est vraiment sur la visualisation. Ça, c'est un mode également qu'on me demande très souvent. Le petit symbole ici que vous voyez,
Ce petit symbole, c'est le bip bip de la mise au point. Donc, si vous avez envie d'être discret et qu'on n'entende pas que vous faites des photos, il faut le couper. Donc ça, c'est bien sûr, sauf si vous êtes en obturateur électronique, puisqu'un obturateur électronique, c'est coupé automatiquement. Mais si jamais vous êtes en obturateur mécanique et que vous avez envie d'être le plus discret possible, lorsque vous faites la mise au point, et ben ça, vous le mettez sur off. Vous ne le laissez pas sur on. Ça vous permettra de pouvoir gérer tranquillement la discrétion. Donc là, le mode avion, ben voilà, je n'ai pas la peine que je vous explique, hein, l'arrêt du Bluetooth. Là, c'est tout ce qui est lié à la connectivité. Donc, paramètres Wi-Fi avec le PC, là, c'est pour travailler en direct. Ça, c'est principalement pour les gens qui travaillent en studio avec un ordinateur à côté. Donc, c'est à cet endroit-là qu'on va pouvoir activer cette fonction. Là, ici, c'est tout ce qui est mode batterie, veille. Vous voyez, parce que l'appareil, là, il se met en veille au bout d'une minute. Il y a des gens qui ont envie que ça reste plus longtemps. L'obturateur mécanique ou l'obturateur, allez hop, je vais faire apparaître une photo de temps en temps, une photo, une question. Obturateur mécanique ou électeur électronique, quel choix? Très honnêtement, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de facteurs de prise de vue qui peuvent avoir une incidence en extérieur. Si vous êtes en extérieur, excepté pour les effets de rolling, je prends l'exemple du train qui passe devant vous comme ça, qui a des portes pour que les passagers rentrent. Les effets de rolling, c'est que la porte, elle risque d'être un peu moins droite et être légèrement inclinée. Donc ça, c'est le phénomène que peut générer un obturateur électronique. Un obturateur mécanique, vous n'aurez pas ce phénomène-là. Mis à part cet effet-là, en extérieur, que vous travaillez en obturation électronique ou obturation mécanique, vous allez avoir le même résultat. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. L'obturateur électronique peut être éventuellement problématique en intérieur. Si vous faites du spectacle, par exemple, en prise de vue ou des musées, vous pouvez avoir des barres qui apparaissent sur vos images. Ça, c'est la fréquence. Donc là, il faut utiliser le mode que je vous ai montré tout à l'heure, ce qu'on appelle l'anti-flicker, qui vous permettra de compenser ce phénomène. Donc si vous ne l'activez pas, vous pouvez avoir des mauvaises surprises. Mais sinon, l'un ou l'autre, c'est vraiment des choix très personnels. La discrétion absolue, forcément, bah, ça va être l'obturateur électronique. Maintenant, il y a des gens qui aiment bien quand même être conscients de leur prise de vue, clac, d'entendre même le léger bruit que la photo a bien été prise. Donc, dans ces cas-là, il vaudra mieux rester sur l'obturateur mécanique. Autre choix de l'obturateur mécanique, et là, il sera obligatoire, c'est en studio. Vous ne pourrez pas travailler en studio avec des flashs en synchro X, par exemple. Vous n'aurez pas de synchro flash avec un obturateur électronique. Donc là, dans ces cas-là, il faudra automatiquement travailler avec un obturateur mécanique. C'est pour ça que vous voyez d'ailleurs, quand vous allez sur les réglages du flash, vous avez déclenchement premier rideau, déclenchement deuxième rideau. Et ben, si vous êtes en obturateur électronique, ça ne fonctionnera pas dans ces modes-là. Voilà. Alors, est-ce que j'ai une question que je peux répondre rapidement? Comment on efface toutes les photos sans formater? Eh ben, il y a un moment donné, pareil, à cet endroit-là, vous y a marqué « Effacer toutes les photos ». Donc, quand on a vu tout à l'heure le mode d'avant, vous pouvez sélectionner à la place de formater, vous choisissez dans le mode qu'on a vu précédemment, « Effacer toutes les images ». Donc, ça se trouve là, à ce moment-là. Pourquoi le boîtier n'est pas livré avec un chargeur externe de batterie? Bon, ce n'est pas la thématique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais essayer de respecter la thématique des menus aujourd'hui, Jean. Mais en fait, aujourd'hui, quasiment plus aucune marque pour des raisons de législation. Si vous regardez bien, même les téléphones aujourd'hui, tout ce qui est chargeur externe, les marques ne fournissent plus de chargeur externe. Donc, on recharge dans le produit. Voilà, c'est une législation européenne. Donc, aujourd'hui, très, 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 très peu de marques essayent de court-circuiter un peu cette norme et de mettre un chargeur avec les produits lorsqu'ils sont livrés. Donc, ce n'est pas dans notre fait, c'est général. Donc, ce n'est pas que Olympus qui ne met plus de chargeur dans ses produits. C'est quelque chose qui s'est démocratisé aujourd'hui. Après, on peut être pour ou contre. Hein. Si vous voulez un chargeur externe, on peut toujours, bien sûr, l'avoir en accessoire supplémentaire. Mais voilà, nous, on applique aujourd'hui la réglementation. Donc, je vais continuer dans la thématique des menus. Donc, c'est là qu'on peut faire le reset. Très important, le reset de l'appareil.
Si jamais vous ne savez plus ce que vous avez fait, si jamais vous êtes un peu en galère, la première chose à faire avant de penser que votre appareil est en panne, j'ai envie de dire, il y a deux choses à faire. C'est mettre à jour le firmware au cas où, sachant que ce produit est récent, il n'est pas concerné par la mise à jour des firmware. Par contre, réinitialiser l'appareil, ça peut vous sauver la vie si jamais vous ne savez plus ce que vous avez touché par accident. Donc, c'est à cet endroit-là qu'on peut remettre l'appareil au réglage d'usine. De façon à retrouver l'appareil comme s'il était tout neuf et comme s'il n'y avait eu aucun réglage de fait par personne. Quand vous allez rentrer dans ce mode, il va vous proposer de réinitialiser soit l'ensemble de votre appareil, dans ces cas-là, c'est réglage d'usine, soit l'ensemble des paramètres de prise de vue. Donc là, il ne va pas intervenir sur la personnalisation. Tout à l'heure, je vous parlais du levier qui pouvait servir de on-off sur certains. Voilà, là, vous allez vraiment être sur uniquement la remise à zéro de tout ce qui est prise de vue. Je pense à la balance de blanc, par exemple. Là, vous allez revenir en balance de blanc automatique si par accident, vous aviez activé une balance de blanc personnalisée. Donc ça, c'est un réglage qui est important. Le mappage pixel, j'ai fait un petit focus rapide également au niveau de ce menu, puisque c'est quelque chose qui peut aussi, dans le temps, on ne sait jamais ce qui peut arriver, hein. Si jamais à un moment donné, vous voyez que vous avez ce qu'on appelle des pixels morts, au niveau du capteur, et ben là, le mappage pixel va vous balayer le capteur et va extrapoler les pixels qui sont autour pour boucher le pixel mort. Donc ça peut aussi être une solution de secours si jamais un jour vous avez un problème, bien sûr, qui j'espère n'arrivera jamais avec votre boîtier. Mais voilà, ce sont des petites astuces que je vous donne qui peuvent vous dépanner encore une fois au cas où. Donc ici, vous allez vous retrouver avec la fonction My Menu. Alors, My Menu, moi, c'est un menu que j'aime beaucoup qui évite de faire tout ce qu'on vient de faire. Vous allez pouvoir mettre dans ce menu uniquement ce qui vous intéresse pour pouvoir les retrouver très rapidement. Donc, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, en fait, vous allez d'abord, pour ajouter un paramètre qui vous intéresse dans tous les menus qu'on vient de défiler, vous allez en choisir un. Donc là, par exemple, je vais choisir ma sensibilité ISO dans la valeur mini et maximum. Une fois que je l'ai sélectionné, je vais appuyer sur la touche vidéo de mon appareil. Et une fois que j'ai appuyé sur la touche vidéo de mon appareil, il va me proposer d'enregistrer dans My Menu ce réglage ISO dans la variation d'extension de prise de vue. Donc, soit je peux le mettre en 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'ai 5 sous-menus à ma disposition. Alors, n'allez pas recréer le menu dans son intégralité. Essayez de travailler de la même façon que le menu il est constitué sur un mode, par exemple, tout ce qui est lié à l'autofocus, vous le mettez dans My Menu 2. Tout ce qui est lié à la sensibilité ISO, par exemple, dans le My Menu numéro 1. Et comme ça, vous allez très vite vous retrouver ce qui vous intéresse. Et une fois que vous aurez sélectionné, vous allez voir apparaître ici le symbole que ce menu-là se trouve dans My Menu numéro 1. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être très pratique quand vous avez envie de personnaliser votre boîtier avec des accès ultra rapides, de façon à ce que on pourra, vous pourrez donc avoir besoin d'utiliser. Donc si vous avez après, une fois que vous avez fait ce que je viens de vous dire, vous êtes un peu paumé, il y en a un peu partout. On peut le réorganiser. Donc pour le réorganiser, il suffit juste de sélectionner encore une fois un élément. On rappuie cette fois-ci sur la touche vidéo. Et là, il va vous proposer de supprimer l'élément, de supprimer la page, enfin de supprimer cette page, ou alors de le réorganiser l'ordre, si vous en voulez. Là, j'en ai mis qu'un, mais si j'avais envie d'en mettre plusieurs, il y en a un que je pourrais mettre en priorité en haut. Et celui qui m'intéresse le moins, je le mettrai complètement en bas. Donc ça, ce sont vraiment des choix très personnels. Et là, vous avez vu, hein, je peux en mettre un paquet aussi, de la même façon. Je peux en mettre 5 ou 6 de mémoire de par menu. Donc c'est quelque chose qui peut très vite se remplir. Donc attention à ne pas le remplir entièrement. Donc là, c'est les ans par ordre logique. Voilà. Pour le menu, ça va être tout. J'ai quand même fait la décision de vous parler des points forts qui se trouvent dans le menu dont je vous parlais tout à l'heure, même si je ne rentrerai pas dans les détails, pour vous parler des modes spécifiques, la haute résolution, le filtre ND. Donc, très rapidement, les modes
spécifiques qui ont vraiment un point fort, bah, c'est le filtre ND qu'on va retrouver dans l'appareil photo numéro 2. Hein. Donc, ce sont des filtres qui vous permettront d'aller chercher des valeurs jusqu'au ND64 de façon à simuler des vitesses lentes. Donc ça, c'est quelque chose, encore une fois, toutes ces thématiques-là, ils vont être, enfin, je vais les développer à un moment donné dans les mois à venir, de façon à avoir vraiment des sujets très focus dans l'usage et vous montrer des photos. Il faut juste que j'ai le temps d'en créer et que mes ambassadeurs aient aussi le temps d'en créer pour qu'on puisse agrémenter la présentation avec d'images concrètes et d'exemples qui seront parlants. Donc bien sûr, ne pas avoir à rajouter un filtre neutre devant l'optique, et ben forcément, ben c'est un gain financier. Hein. Donc, ça peut valoir très cher, un filtre ND de qualité. Donc là, c'est quelque chose qui est intéressant. Et surtout, il n'y a pas besoin de chercher un filtre, puisque un diamètre de filtre, pardon, puisque quelle que soit l'optique que vous allez utiliser, le filtre ND sera compatible. Donc, au niveau des paramétrages, hein, vous voyez, il se trouvera, comme je vous le disais, dans l'appareil photo numéro 2. Donc là, il est sur off. Donc, on le met sur on. Et si on le met sur on, on va pouvoir donc l'activer à cet endroit-là. On va pouvoir changer à cet endroit-là jusqu'au ND64. Donc, ici, je vous ai mis rapidement, hein, ça double le temps d'exposition. Donc, hein, dans le sens inverse, pas en ayant plus de vitesse, mais en ayant deux fois moins de vitesse. Et ainsi de suite jusqu'au ND64. Et après, vous pouvez choisir la simulation sur votre écran ou pas de l'effet que vous êtes en train de rechercher. Donc voilà comment fonctionne le réglage au niveau de la prise de vue ND. Donc là, on peut également, pour aller au bout de réglage ND, si c'est un mode que vous utilisez, là, je vais vous montrer comment on peut personnaliser et l'affecter à une touche raccourcie, de façon à ne plus faire tout ce qu'on vient de faire. Mais en appuyant juste sur la touche ISO, je crois de mémoire, c'est là où je l'ai mis, vous allez directement activer ce mode. Donc oui, le filtre ND, effectivement, Pascal, pour le 714, c'est magique. Hein. Ça change tout. Hein. Donc je suis parfaitement d'accord avec vous. Donc ici, on va pouvoir, donc, réglage des boutons. Donc c'est la personnalisation, hein, l'engrenage numéro, la touche engrenage, pardon. Donc menu numéro 1, sous-menu numéro 1. Réglage de boutons, touche fonction, et là, je peux choisir la fonction ND que je vais appliquer à la place à ma sensibilité ISO. Vous voyez, ici, j'ai toutes les fonctions particulières que je peux, rappelez-vous, ici, hein, je peux en faire défiler, c'est-à-dire que j'en ai encore en dessous. Là, je sélectionne le ND, et je dis que cette touche ND, j'appuie dessus, et là, il me dit où est-ce que je veux la mettre. Et ici, vous allez retrouver tous les raccourcis qui se trouvent sur votre boîtier. Donc, à vous d'affecter la fonction ND là où vous avez envie de la voir. Donc, à la place de la sensibilité ISO, maintenant, si j'appuie dessus, j'aurai le filtre ND qui sera activé. Et en tournant la molette, vous voyez, j'appuie ici, je tourne la molette avant et je vais faire changer les valeurs de mon filtre ND très simplement. Donc ça, encore une fois, c'est quelque chose qui est hyper pratique et qui nous permet encore une fois de gagner en vitesse et en efficacité pour faire ce système-là. Gisela, ce que je vous propose, c'est de laisser votre adresse mail sur la page, ou alors de vous inscrire, si vous pouvez, demain, à la présentation, si elle n'est pas complète déjà, de façon à ce qu'on rentre dans le détail de l'effacement des photos. D'accord ? Comme ça, je pourrais vous répondre précisément. Donc au niveau du live composite, hein, donc encore une fois, hop, donc là l'exposition restera fixe. Donc là, imaginez cette photo sans les deux petits ours qui se font un petit bisou là, où c'est un ours et puis bah, excusez-moi, je vois pas, je ne reconnais pas bien l'animal. On n'a que la forêt. Donc là, à ce moment-là, on fait une première image où on aura la forêt. Et après, l'appareil, lui, va enchaîner les images à la bonne exposition de façon à ce qu'à un moment donné, la forêt qui est là un peu sombre, pour ne pas dire très sombre, reste comme ça et que la lune ne vienne pas, par exemple, à un moment donné, éclaircir la forêt. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Et après, j'ai juste à venir avec ma lumière et je viens dessiner les animaux et l'appareil, lui, ne va intégrer que ces ajouts de lumière. Il ne va rien intégrer d'autre. Donc là, cette fonction, pareil, on fera un focus. C'est une fonction qui est vachement utilisée dans le live painting
Donc, on a beaucoup de live painters qui travaillent avec nos produits, principalement pour cette fonction-là. La même chose, hein, le mode Pro Capture. Bon, pareil, je ferai un focus dessus un peu plus long, mais en gros, le Pro Capture va me permettre de mémoriser. Ici, vous voyez, là, je commence ma photo, j'appuie à mi-course sur le déclencheur. Le fait d'avoir appuyé à mi-course sur le déclencheur, je lance le processus. Et là, vous voyez, il est en train de m'enregistrer des photos. Et là, je déclenche à cet endroit-là. Donc, lorsque je déclenche, là, par exemple, j'ai programmé pour avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 photos mémorisées avant que je déclenche. Donc, ça veut dire que je peux revenir 8 photos en arrière et je lui ai demandé de continuer à enregistrer un nombre d'images après avoir déclenché. Donc, ça veut dire que j'ai toute une série où je suis sûr de ne pas avoir à louper le début et je peux aller jusqu'à un moment donné ce qui m'intéresse. Donc là, dans le cadre d'un oiseau comme ça qui va très vite, je sais que je ne vais pas avoir besoin de toutes les images. Ça ne sert à rien d'en avoir 250. Donc là, je prépare ma sélection et lorsque j'appuie sur l'obturateur, après, je peux revenir en arrière sur mon image et je reste sur l'image que j'aurais sélectionnée et sans avoir besoin de tout prendre. Donc voilà en gros comment marche le mode Pro Capture. Ici, vous avez encore une fois hein, tous les avantages que propose notre OM1. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire et à dire sur ce produit. Donc on essaiera de revenir régulièrement vous voir avec des présentations comme on le fait ce soir pour vous donner une visibilité sur différentes fonctions et comment on utilise ces différentes fonctions avec les bons réglages pour pouvoir optimiser votre OM1. Pour ceux qui ont la chance d'avoir franchi le pas vers ce boîtier. Je vais juste terminer avec la mise à jour du firmware lorsque ça arrivera. Ce n'est pas encore d'actualité, mais ça me permet de faire un petit focus pour les gens qui n'ont peut-être pas un OM1, mais qui ont un autre produit de chez nous, de la gamme. Parce que bah, l'histoire de la marque hein, n'a pas commencé avec l'OM1. On a des produits avant, bien sûr. Et la mise à jour du firmware peut se faire via l'application OM System Image ou alors OiShare, vous tapez OM System dans votre navigateur de recherche pour les applications, que ce soit Google Play ou autre chose. Hein. Donc, quand vous avez l'application que vous l'ouvrez, bien sûr, il faut que votre appareil soit connecté. Vous allez aller dans l'engrenage qui se trouve à cet endroit-là. Une fois que vous y êtes, il va vous proposer la gestion de l'appareil photo. Et une fois que vous êtes dans la gestion de l'appareil photo, vous faites mise à jour de votre appareil, enfin mettre à jour le firmware. Et à ce moment-là, bien sûr, il faut qu'il y ait de la batterie dans votre téléphone, dans votre téléphone. Oui, téléphone aussi, bien sûr, mais aussi votre appareil photo. Sinon, à un moment donné, il va arrêter, il va vous dire transfert impossible. Donc, autant tout bien checker avant. Batterie du téléphone, batterie de votre appareil photo. Et ensuite, il va vous proposer de chercher les mises à jour. Donc là, j'ai mis l'OM1. Bien sûr, il n'y en a pas. Donc j'ai basculé sur un OM1 Mark III. Vous voyez, là, j'ai changé d'appareil. Et là, l'OM1 Mark III avait une mise à jour possible. Donc j'ai cliqué sur mettre à jour. Et à ce moment-là, il y a tout un process. Donc vous faites juste à suivre le process. Et à la fin du process, vous aurez un message qui vous indiquera que la mise à jour s'est passée correctement et sans aucune difficulté. Donc ça veut dire que vous êtes capable de mettre à jour votre appareil photo sans forcément utiliser votre ordinateur. Donc c'est pour ça que je voulais faire un petit focus avant de finir cette présentation sur cette méthode que peu de gens connaissent. Et moi j'ai encore eu un monsieur tout à l'heure au téléphone qui me demandait comment il pouvait faire la mise à jour de son firmware. Normalement on vous répond toujours par le logiciel Olympic Workspace, mais s'il y a des gens qui sont bloqués par des pare-feux, des machins, je ne sais pas. Peu importe, ou qui ne peuvent pas installer Workspace sur leur ordinateur, ben on peut également passer par l'application sur votre téléphone pour mettre à jour l'appareil. Donc, entre autres, vous voyez, par exemple, je vous disais tout à l'heure, si vous avez des difficultés, il y a un truc qui ne fonctionne plus très bien, des fois, une mise à jour du firmware peut résoudre le problème. Et ben là, vous pourriez très bien, en étant en voyage, sans ordinateur, mettre à jour le firmware de votre appareil en étant à l'autre bout du monde, à partir du moment où vous avez une connexion réseau qui vous permet donc de récupérer le firmware dans votre téléphone et que votre téléphone l'envoie à votre appareil photo.
Voilà pour ce soir ce que je pouvais vous dire. Donc, encore une fois, j'ai encore parlé beaucoup plus, puisqu'en théorie, je devais faire 1 heure, mais c'est toujours agréable de pouvoir le faire. Donc, je peux regarder quelques questions, si vous voulez, avant de partir peut-être. Déjà, il me reste à vous remercier encore une fois d'être nombreux, soit sur le live, soit sur le replay, puisque je sais qu'il y a beaucoup de gens également qui regardent les tutos que l'on peut faire et les présentations via le replay. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, vous avez le replay. Et pour les autres, bien sûr, hein, je vous donne rendez-vous pour des autres rendez-vous prochains, soit sur Zoom, soit de cette façon-là. Donc, sur Zoom, hein, ce sera un peu plus personnalisé. Et là, on est plus dans le partage avec le maximum de monde, en essayant d'être le plus succinct, mais également précis possible pour pouvoir répondre à la majorité de vos questions. Donc, il me reste à vous remercier. Merci beaucoup, Lise. N'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires, ça nous fait toujours plaisir, à partager cette vidéo éventuellement avec des personnes qui hésitent encore et qui veulent avoir plus d'informations. Nous, on est très, 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 très contents du lancement de ce produit. On n'a que des retours hyper positif. Donc, merci à tout le monde. Faites de belles photos, surtout. Faites des images, partagez vos images. N'oublions pas que la photographie, c'est avant tout un beau partage. Donc, partageons notre passion. Et écoutez, je vous donne rendez-vous pour ceux qui vont participer aux sessions Zoom de demain et du 31. On se revoit très vite. Et pour les autres, on se reverra en avril avec une autre thématique que le menu. Je vous dis à très bientôt. Et écoutez, portez-vous bien et à très vite. Merci à tous. Merci Véronique. Merci Pascal. Merci Guilin. Donc, je vous dis à très vite. Au revoir et merci.